Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce vendredi 6 mai 2016. Nous sommes là, sur les abords de la rivière Mont-Louis, tout près là, du premier refuge de l'association Chasse et Pêche, dans le fond de la rivière à Mont-Louis. Donc, voici vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, ça demeure dégagé. Les vents seront du sud-est à 20 km/h et ça diminuera là, au courant de la nuit. Le minimum sera de plus 3 et le soleil se couchera à 19h50. Pour samedi, on aura un ennuagement là, le matin. Les vents seront du sud-est à 20 km/h, devenant légers également le matin. 30 % de probabilité d'averse, par contre, au cours de la nuit. Le maximum sera de 10 et le minimum sera de 1. Pour dimanche, bien, la pluie. On aura une pluie intermittente, une pluie là, qui va s'installer pour une bonne partie de la semaine. Le maximum sera de 13 et le minimum sera de 1. La semaine sera prochaine, s'annonce un peu grise, pluvieuse et venteuse, mais nous devrions là, retrouver le soleil là, à compter de mercredi avec des températures assez confortables. Au niveau de l'agenda, comme vous le savez, dimanche c'est la fête des mères et il y a quelques activités là, pour souligner l'occasion. Le samedi 7 mai à 17h30, le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis vous invite à un souper et une soirée pour la fête des mères. Le coût pour le souper et la soirée est de 20 $. Il est possible là, uniquement d'assister à la soirée pour 5 $. Pour réserver vos places, il suffit de composer le 418-797-2082. Pour dimanche, dès 8 h, la Maison pour aînés Mère et Montagne de Mont-Louis vous invite à un déjeuner de la fête des mères. C'est une excellente façon là, de commencer la journée. Le coût du déjeuner est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Et en terminant, ne manquez pas notre télé-bingo sur nos ondes tous les lundis à 18h30. Sur ce, ben, on vous souhaite une belle fin de soirée et on profite de l'occasion là, pour souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans qui sont nos auditeurs. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre Météo Express.